La société russe Telegram, qui propose un service de messagerie cryptée, a organisé une ICO, une Initial Coin Offering, pour son projet de crypto-monnaie Gram. Elle fut un succès. 2,9 milliards de jetons vendus, 179 investisseurs réunissant 1,7 milliard de dollars, dont 47 américains, pour un montant de 420 millions de dollars. Mais la Securities Exchange Commission, l'AMF américaine, a annoncé le 11 octobre qu'elle allait lancer une procédure devant le district de Manhattan visant à interdire aux investisseurs américains d'acquérir ou de vendre des grammes. Elle annonce ne pas avoir reçu toutes les informations financières sur l'entreprise et sur sa gestion, ainsi que sur les risques encourus par les investisseurs. Elle dénonce dans ces conditions la commercialisation de jetons numériques vendus illégalement et serait contraire au Securities Act de 1933. Gram a annoncé en conséquence que son projet était gelé afin d'analyser tous ces éléments. Le projet Gram n'était qu'un des projets de Telegram qui veut proposer à tous ses utilisateurs un service de blockchain et travaille également sur un service de smart contract. Le but est de ne plus réserver la blockchain et les crypto-monnaies à un public d'initiés, mais d'en faire bénéficier très simplement ses 250 millions d'utilisateurs.